C'est parti pour la saison 2024-2025 du Face au Foot Ligue 1. Avant le face-à-face, place à la montée des couleurs, puis une minute de silence. C'est Aboubakar Babayoure Sawadogo qui a donné le top départ. Passé cette étape, place au jeu. Démarrage avec une légère domination de Salitas sans grand danger. Le match va prendre une autre tournure. À la 16e minute, le Rai Club du Kadjougo par l'entremise de Faisal Papou Konaté. Les poulains du coach Amadou Sampo vont doubler la mise 5 minutes plus tard. Et c'est l'œuvre d'un autre Faisal, El Béchir Konaté. Puis un troisième et un doublé pour Faisal Papou Konaté alors que nous jouons seulement 40 minutes. Au tableau d'affichage, 3-0 pour le RCK à la pause. À la seconde partie, les joueurs d'Ambas Ouédraogo n'ont qu'un seul objectif, rattraper les retards. Adama Bellem, après son entrée à l'entame de la deuxième partie, s'offre un doublé pour les siens. Les colombes ont été proches de l'égalisation, n'eût été la vigilance du gardien des Faucons. Score final, 3-2 pour le RCK. En conférence d'avant-match, je disais que j'avais une très jeune équipe. Voilà, donc les émotions, c'était un peu difficile. Par exemple, quand je regarde mon latéral gauche aujourd'hui, la note que je lui donne pour moi, il n'a pas la moyenne. Et c'est l'un des meilleurs. Il est international junior actuellement. Et lui-même, quand je regarde, il est passé à côté. C'est des enfants, il faut faire avec. Donc, ils sont capables de tout donner. Donc, en premier mi-temps, ils arrivent à marquer 3 buts. Et ils encaissent 2 buts. Et l'essentiel ici, moi, c'est d'assurer la victoire et puis aller corriger les problèmes après. Le coach Ambas Ouédraogo, visiblement déçu du résultat, dit travailler encore plus et plus pour revenir lors de la prochaine journée. Je peux dire que on a fait une mauvaise entame de jeu en première mi-temps. On a encaissé, je peux dire, les 3 buts en 30 minutes. Hein. 30 minutes, on nous menait déjà 3-0. Voilà, donc en seconde mi-temps, on a essayé de faire 5 changements, comme tu l'as si bien dit. On est passé, on a changé de système. On est revenu à 3-2. Tout j'avais vu, bon, méritait le match d'une, parce que même vers la fin, on a eu des occasions. On n'a pas pu marquer, on n'a pas pu marquer. Bon, ça fait partie du football, c'est le championnat. Voilà, on va toujours travailler vraiment pour revenir. Le lancement de la première journée a vu la présence effective du tout nouveau président de la Fédération burkinabé de football, mais aussi Babayoure Sawadogo qui a raccroché les crampons. Il salue le bon démarrage de la saison 2024-2025. Un début de saison, ça nous réjouit parce que nous avons pu voir 5 buts. 5 buts pour un match, il y a des moments où des journées entières, on n'arrive pas à avoir ce score-là. Et nous sentons que les joueurs sont en jambes et ils avaient envie de jouer. Et c'est cela qui nous fait plaisir. La particularité de la saison 2024-2025, vous allez voir les différentes innovations. Bon, dans un premier temps, nous allons essayer de diffuser chaque journée, pendant chaque journée, un match phare. Et nous allons laisser la latitude aux différentes ligues d'organiser le parrainage des différentes journées. Et je dirais, je suis très 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 ému puisque je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est vraiment l'occasion pour moi de remercier vraiment le premier responsable de la Fédération burkinabé du football et tout son comité exécutif. Voilà, je pense que ça va encore me pousser, ça va m'appeler vraiment à travailler encore plus, voilà, pour le bonheur du football burkinabé. Même si ce n'est pas sur le terrain, je pense que j'ai beaucoup à apporter au football burkinabé. Ainsi, le Rai Club du Kadjougo fait son entrée de la plus belle des manières avec les 3 points en poche. Les colombes de Ouagadougou tombent d'entrée les armes à la main. Il va falloir se relever vite pour rester dans l'objectif cette saison qui est le podium et la qualification en campagne africaine.